sorti un bilan partiel sur différents travaux qui réalisés jusqu'à mardi 27 juin 2017 là, curage de 43 km de canaux de drainage sur 87 km qui était prévu, gain curage de 185 km de canaux d'irrigation sur 197 qui était prévu, réhabilitation de 113 km de pistes agricoles contre 100 km prévus initialement. Protection de berges, 196,7 km contre 50 km qui étaient prévus antérieurement. Tout travail ça a été réalisé grâce avec mobilisation 200 matériels et équipements dans le département la Tibonite qui gagne la dedans parmi l'autre backloader, tower light, extravatrice, camion, bulldozer, grader. Majorité matériel ça yo pralé nan département sud lan à partir de samedi ka vini la côté caravane changement li pral lancé nan département sud lan et tout un travail ça qui fait lan yo résumé nan un slogan qui était cheval bataille président république lan son excellence monsieur Jovenel Moïse dans cadre campagne électorale li qui voulait mettre en synergie Tayo Laurent Soleil avec Mounio pour améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Samedi, tête droite pour Sud, Tamara Orion lui-même va expliquer nous qui ça pourra le passer dans le Sud avec Caravane Changement. Après la Tibonite, Caravane va prendre direction le Grand Sud du pays. Et quand nous parlons du Grand Sud, nous parlons de Nip, nous parlons de Gredens et nous parlons de Sud. Trois départements ça en octobre 2016, ils ont été sévèrement touchés par cyclone Matthew. Et pour Caravane, dans le Sud, il y a des jalons qui peuvent le poser, notamment pour le développement socio-économique des départements ciblés. Il y a un plan d'intervention qui peut le faire en deux phases pour Caravane dans le Sud. Premièrement, c'est une opération coup de poing qui peut durer 3 mois, soit juillet à septembre, et une phase qui est plus structurante qui peut gagner un ensemble d'opérations qui peut viser relèvement péninsule Grand Sud-Lan. Et là, nous dit relèvement péninsule Grand Sud-Lan, qui peut durer pendant tout quinquennat, président Jovenel Moïse-Lan et Aksayo Yoshita sous 10 points. Premièrement, c'est réhabilitation piste intercommunale et intersection communale, gain tout maîtrise de l'eau et valorisation de l'eau, gain tout piste arboriculture forestière et fruitière, gain tout culture vivrière, gain pêche et aquaculture, production et santé animale, axe habitat et appui à la relance des activités entrepreneuriales, gain tout axe sous santé publique, gain tout axe sous eau potable et assainissement. Et dernier axe là qui c'est axe distribution des kits d'énergie solaire. Pour Caravane Changement dans le Sud, total piste intercommunale qui pral réhabiliter au total de 1360 km, soit 637 pour la Grandens, 400 pour le Sud et 323 pour les NIP. Non axe qui gen pour avec arboriculture forestière et fruitière, il est prévu la mise en terre de 8 millions de plantules fruitières et 1,3 million de plantules forestières à travers 43 pépinières qui pourraient installer dans le Grand Sud. Nous rappelons tout, pendant le passage cyclone Matthew, il y a plus de 200 cailles qui étaient crasées. Et grâce avec Caravane Changement qui pourrait aller dans le Grand Sud, il y a 125 cailles qui pourraient reconstruire et il y a 1250 qui pourraient réparé. N'a passé parole la Kounia à Lucien Jura qui pourra le présenter en gros ça nous fait dire là. Pour tout haïtien qui a coûté là journée jodi hein. Vision président Jovenel Moïse là pour que l'arrivée permette que nous sortions dans situation de dépendance alimentaire ça pour mettre pays en sourail développement. Si c'est vrai que le noble, si c'est vrai que louable, mais il ne dépend pas uniquement du président de la République qui lui-même a une vision. Son responsabilité, chaque citoyen et chaque secteur dans la société. Parce que sans stabilité politique, je veux dire, il est difficile pour nous arriver à réaliser tout bel projet. Et stabilité politique, là, li dépend de acteurs politiques, de acteurs sociaux. Pour ça fait, il faut que chaque Haïtien qui a gardé, qui a coûté là, conscient de la nécessité pour que nous toutes nous mettions devant
le bien commun qui c'est Haïti, pour nous mettre derrière intérêt mesquin, intérêt personnel nous, c'est seul gens toute belle vision ça, toute belle projet ça qui je dis en pral quitter l'Artibonite pour le plonger dans le grand sud, ensuite pour l'étendre dans tout racoin paysan, parce que fondamentalement son stratégie de développement que Caravane Changement y est, c'est seule façon pour nous arriver à atteindre objectif là.